PEGI 18. L'ambiance est primordiale dans la série Dead Space. Tous les éléments du scénario à la jouabilité sont créés dans le but de servir une ambiance bien précise. C'est pour cette raison que les jeux Dead Space ont toujours eu très peu de données affichées à l'écran. Toutes les informations nécessaires aux joueurs sont intégrées directement dans l'environnement du jeu. La santé d'Isaac s'affiche directement sur sa combinaison. Les enregistrements audio et vidéo sont lus par la technologie embarquée sur la combinaison. Pour résumer, Isaac et le joueur voient exactement la même chose. Le fait qu'Isaac soit ingénieur et non soldat est également une composante essentielle de la jouabilité de Dead Space. Ses armes sont des outils de forage modifiés qu'il récupère dans les lieux qu'il traverse. Le cutter plasma, le trancheur et le découpeur ne sont pas des armes conventionnelles. Mais elles sont beaucoup plus efficaces pour lutter contre les nécromorphes, car elles découpent leur chair plus rapidement que des balles traditionnelles. Le moyen le plus sûr d'arrêter un nécromorphe, couper ses membres. Si ça ne les tue pas tout de suite, cela aura au moins le mérite de les ralentir, offrant à Isaac de précieuses secondes pour reculer ou recharger. Cette stratégie du démembrement demande d'être précise, malgré la pression. En cas de panique, c'est la mort assurée. Chaque ennemi nécessite une approche différente. Si vous n'avez pas d'armes sous la main, vous pouvez toujours improviser avec les éléments du décor. Les modules de stase et de télékinésie sont vitaux. Les nécromorphes sont des prédateurs redoutables, dotés d'une très grande vitesse. Les ralentir permet donc de les démembrer plus sereinement. C'est là que la stase entre en jeu. Elle figera un nécromorphe sur place, suffisamment longtemps pour le découper, pièce par pièce. De son côté, la télékinésie permet de manipuler des éléments sensibles du décor. Isaac peut ainsi soulever d'importantes masses ou utiliser des débris comme arme mortelle. Les déplacements en apesanteur requièrent également la plus grande prudence. Les ennemis peuvent attaquer depuis n'importe quelle direction. De plus, le vide vous oblige à survivre avec une réserve d'oxygène limitée. Face à l'épidémie nécromorphe, Isaac aura besoin de toutes ses armes et de tous ses outils pour survivre. Heureusement, il ne sera pas seul dans son combat.